I'm not sure.
Et vous ne parlez pas jamais
écouter, en un point de vue tel, mais aussi à mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut la mettre en pratique. Je venir. Tout ce qui est important pour nous de vous enseigner la parole. Je suis en train de vous enseigner le ministère. Amen. Amen. Si on n'arrive pas à vous enseigner de telles choses, c'est que ça devient une secte. Un truc fermé. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas une secte. Mais le christianisme est une vie de religion qui révèle les choses les plus cachées. Amen. Parce que les sectes parlent du mysticisme. Quand on parle du mysticisme, il y a des choses cachées qu'on ne donne pas à tout le monde. Et malheureusement, nos églises sont en train de déguiser en des sectes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas prendre aux autres pour qu'ils puissent se prendre en charge. Amen. Amen. Pourtant, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Je dis, mais c'est pas un tout ce qui est caché doit être révélé. Amen, je le vois, répétons. Et ça partit de la révélation de la parole oui, qui vient la grandeur dans la vie des hommes. Vous savez que l'ignorance est la plus grande des maladies. Et le bouquin de Termine. Oui. Dieu lui-même, oui. Parfois les connaissances, on peut périr. Amen. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire à 4h du matin, mais ta journée est cachée, tout part de 4h, parce que la Bible frère est sortie ça plusieurs fois, la Bible nous parle de l'aurore, et vous ne savez pas ça. Amen. Amen. Mais nos frères, nos cousins à côté ça, quand le cousin crie à 4h, ils savent ce qui se passe à 4h. Oh, il y a encore de moi dit. Amen. Et toi, tu dis non, à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, on va prier. Non, tu ne peux pas aller prier. Non. Dieu, il sait pourquoi il a créé le temps. Les soeurs. C'est le plus grand scientifique. Oh, là, comment il aimait quand ça. Amen. Quel ange en question est descendu pour répondre à Jacob. Dans cette lutte qu'il est en train de faire, il y avait une seule chose que Jacob voulait. Jacob a dit, bénis-moi. Parle-moi ça. Il butait. Il dit, laisse-moi partir. Parce que l'aurore arrive. Parce qu'à partir de l'aurore, toutes choses passent. Et c'est l'aurore. Et l'ange a changé le nom de Jacob à Israël. Amen. Et les choses que vous devez connaître, il y a des soeurs aux prières, à ces heures-là, le ciel ouvert, les anges descendent pour prendre ta requête et amener. L'or, c'est la transition, et c'est ce qui fait une passation de service entre la nuit et le jour. Il y a une passation de service. L'or dit arrête-toi la nuit. Bon. Et le jour commence maintenant. Et ce qui s'est passé la nuit, c'est à partir de la nuit que le jour se fait. Vous savez, quand quelque chose doit arriver, ça vient dans la nuit. Mais vous voyez quelqu'un qui était prêt. Jésus était arrêté la nuit. Je lui dis, il va être bien. Vous savez que celui qui peut avoir les grandes choses, il peut être un homme qui possède les choses la nuit. Oh non, comment quoi? Vous savez que les sorciers sont forts, même au gouvernement, parce qu'ils ont ce mystère, oui. Pendant que tu dors, et ils n'ont pas travaillé sur toi. Parce qu'il y a des heures. Je vous ai dit, entre diable et Satan, que Satan et Dieu, et Dieu qui copie sur son ami. Alors, on est d'accord là? Amen. Tu n'entends pas bien, mais. Amen. Tu n'es pas bien entendu, amen. Tu n'es pas très bien entendu, amen. C'est Satan qui copie sur Dieu. C'est vraiment un délai à cadeau. Amen. C'est lui.
Vous voyez la franc-maçonnerie, la rose-croix, ce sont des sectes. Ils enseignent le mysticisme. Il y a des choses de la nature. Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'être dans Jésus, mais quand tu connais, ça marche. Satan, il était apprenti près de Dieu. Qui peut me dire le contraire? Hein? Celui qui a créé Dieu. L'autre bon Dieu, là, celui qui a créé. Bon Dieu. Moi, souvent, quand je suis dans sa présence, je dis bon Dieu. Et il est bon. Ce n'est pas votre Dieu, vous ne donnez pas fait Dieu. Vous voulez vous tuer demain. Lui compris ce bon Dieu. Je n'ai jamais dit Dieu de mes pères. J'ai toujours dit le Dieu Yahweh, le Dieu d'Israël. Yahweh. Est-ce que mes parents étaient des féticheurs? Et tout à la vie, les enfants sont des démons. Je ne peux pas me faire prier de mon père. Mon père ceux qui nous ont révélé Dieu, c'est Israël. Amen. Donc Satan compris sur Dieu. Il était le Lucifer. Qui veut dire l'ange de lumière. Malheureusement, il est Satan. Quand tu vois son esprit de naissance, acte de naissance, c'est Satan qui dit ça. Satan compris que. Lucifer est passé. Lucifer, pas de zéro. Comme il était avec Dieu. Donc il maîtrise les choses. Oui, c'est ce qu'il communique à ses agents. Mais on est quoi? Et la Bible dit que les enfants des ténèbres, ils ont plus de connaissances que les enfants du royaume. Bible est là-bas. Il t'aime le royaume. Maman, je vais l'appris. Les choses que vous devez savoir. Dieu le maître de la nature. Là, comment on dit, mais. Il fait un hasard. Et Dieu crée le soleil. La lune. Les saisons. Je vais revenir vous là-dessus. Je vais parler des saisons. Vous allez comprendre. Que chaque trois mois, quelque chose se passe dans la vie d'un être humain. C'est quand tu vois un stage, on te dit ça de trois mois d'abord. Mais bon, quand même, vous avez fait personne pour trois mois. Et c'est là chaque trois mois. Et il y a des choses que je vais vous enseigner. Le avec chaque trois mois, quelque chose doit bouger. Amen. Amen. Oui, les choses que vous devez connaître. Oui, le problème, c'est qu'on t'enseigne comment ne pas pécher, c'est bon. Oui, parce que nous adorons Dieu, c'est saint. Il faudrait qu'on vous remette les choses. Sinon, ça devient des sectes. Parce que le mysticisme, il cache la mystique. Le chrétien, le christianisme, c'est pas du mysticisme. Amen. Amen. Mais pour que nous révélons les choses, pourquoi la nuit? Est-ce que les gens ont la nuit? Vous voyez les mecs pour créer la nuit comme ça? Vous voyez les trucs comme ça? C'est une importance. Oui. Excusez-moi, pourquoi pendant la nuit, les femmes voient les périodes, les menstrues. Oui, alors, mais non, il y a la question. Dans la langue pétrine, quand une femme a vu ses menstrues, on vient la vie la nuit. Même en gros, comme ça. Hein? Comment vous regardez? Même en Dido, voilà. Même en Dida. Dis-le. Le jour où j'ai enseigné l'une, c'était une lune. Il y a même un gros, tu vois, avec ça. Tu comprends que tu connais rien. Il y a une lune, là. Vous savez pas que c'est à partir de la lune que les sorciers travaillent? Parce qu'ils maîtrisent ça. Vous savez pas que c'est à partir de la lune, la première lune, nos parents allaient adorer les petits. Vous savez pas que la croissance commence à partir de la croissance lunaire. Tout se passe à partir de là. Vous savez qu'en Israël, c'est à partir de la première lune qu'on allait consulter le prophète. Les choses est enseignées. Je vous ai dit, entre Satan et Dieu, tout copie sur son camarade. C'est Satan qui copie son camarade. Je vais t'enseigner le soleil. Pourquoi Jésus dit soleil, arrête-toi ce gabarit. Il a arrêté le soleil de sa course. Pourquoi Jésus a fait?
J'ai critiqué les ennemis des ennemis d'Israël. On voit le soleil. Il est où il est. Il est concerné ce jour. Il n'a pas eu la même chose. Il y a des choses. Vous avez besoin d'entendre. Vous faites de vous des grands. Je vous parle du vent. Vous avez commencé à comprendre que il y a des choses importantes. Amen. Amen. Je suis en train de toucher. Toucher seulement le premier vent, vous avez compris. Il y a des choses que vous maîtrisez. Je suis seulement d'adresser, de commander à la chose. Il y en a où il vient. De commander, ça vient. Il y a un fait du vent, des messagers. Qu'est-ce que tu as déclaré au Grand de l'Orient? Non. Venu faire. Amen. Il faut que Dieu nous révèle des mystères. Il a encore c'est un mystère. Amen. Amen. C'est un mystère. Donc il y a des choses que nous avons besoin de connaître. Tu connais, tu deviens grand. Et qui est le cadeau? Amen. C'est tout. Mais bon. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Le meilleur de vous des grands. Pas des hommes d'église. Non, pas non. Mais des ambassadeurs de Dieu. La bonne nouvelle. Et quand tu regardes, on trouve en toi solution. Le quartier sait que c'est toi. Mais prier, me dit ça va marcher. Mais on voit pas en toi problème. C'est fini. Parce que quand Dieu te choisit, là, c'est pour t'établir. On bat ton gars en saut. Quelqu'un dit amen. Dieu ne s'amuse pas. Là, choisis n'importe qui, n'importe quoi. On va le faire encore. Et puis tu as dans lui, tu ne sens rien. Il est comme il n'a pas de devoir. Dieu n'est pas fait pour choisir n'importe qui. La bonne est bien, ça va bien combattre. Qui a créé les yeux? Qui a créé les yeux? Amen. C'est Dieu. La bonne vie. Je lui ai dit, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Est-ce que tu m'as choisi dans ma famille? C'est moi qui vais être béni. Amen. Allez, chacun fait sa prière. Amen. Chacun fait sa prière. Amen. Chacun fait sa prière devant son Dieu. Moi, il dit dans ma famille, si quelqu'un doit venir, c'est. Il ne m'a pas appelé pour que je sois le dernier de ma famille. Pourquoi? Naturellement. Parce que tu dis qu'il fera de moi la tête. Et dans la tête, vous êtes des queues dans ma famille. Et ils ne sont rien. Quand on dit ton nom dans la réunion, on dit mais. Pourquoi un peu? Pourquoi le nom de cette personne? Moi, on me dit mon nom, okay, il est bénéficiant. Comme le prophète François a dit, mais tout le monde peut me saluer. Mais Dieu, il est fait de choisir. Et toi, tu acceptes la situation dans laquelle tu te trouves. Les miens, des conneries comme ça, il faut revendiquer ton droit devant Dieu. Amen. C'est ce que Jacob a fait. Il change mon identité. Il n'est pas d'accord. Avec ce qui se passe dans ma vie, et Dieu dit, non, ne sera plus vaut rien. Il sera un prince désormais. Amen. Jacob. Il faut que ton identité change pour qu'on te respecte. Les gens de la famille ne se marient pas, donc tu ne te maries pas. Et mon ami, et c'est les gens bizarres qui t'abordent. Les gens qui ça fait rien. Tu viens te draguer. C'est la malédiction. Pourtant, Christ nous a délivré de la malédiction. Oh, qu'il dit en vous. Et tu as envie de poursuivre. Même quoi, tu ne dois pas venir t'aborder. Ton corps ne doit pas jouer. Avec moi. L'or et l'argent doivent t'appartenir. Moi, j'ai quatre comptes. Un quart compte dans moi. Je n'ai pas su de Dieu qui est beau. Et que la gorge de Gaïa. Ah, vous, c'est pour ça que vous enseignez à l'église. Ça, tiens, pas. Moi, je vous ai dit, j'aime l'argent. Ami, un voisin. Mais j'aime l'homme plus que l'argent. Mais moi, je connais un peu de la gorge. C'est la pression, il y a 100 000 devant quelqu'un. Mais, un cas, je vous montre ce que je donne.
Ici le pasteur qui vous montre qu'il donne l'argent. Amen. Pasteur. C'est pas comme les pasteurs, ils mangent. Moi, je viens donner 5 000, 200 000. Je viens donner 5 000 à des gens. Je vous pose sans problème. Parce qu'il sait que le recevoir, pour recevoir, il faut donner. Mais maintenant, quand il y a des gens, amen. Amen. Quand il y a un problème, je vais avoir l'argent, j'en ai 100 000 à donner à quelqu'un. Quand il y a un problème, quand il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Amen. En tout temps. Il y a des choses qu'il doit connaître. Oui, il y a un problème à Yves. Il y a un problème d'argent. Et quand il y a un échec, quelqu'un va prendre l'argent, il va lui donner. Et tu vois comment on va se faire pour riche, l'intérêt là-dessus. Il n'y a pas de l'argent. Qui est un businessman? Là, quand on est comme moi. Il voit quoi pour le pays? S'il n'y a pas d'intérêt, il n'a rien fait faire. Il n'investit pas dans n'importe qui. Vous parlez de penser Dieu comme ça. Amen. Dans 2 mois, 3 mois, vous allez voir les voitures que j'ai envoyées ici. Restez. Des gens bizarres dans l'église. Ah, mais parce que vous êtes bizarre. Pour les Samariens, ce sont pas des gens qui respectent pas. Tu prends ta Bible, tu es venu, ça dit rien au voisin. Ça ne dit rien. Mais lorsqu'il découvre que tu es plus béni que lui, il va commencer à te respecter. On le sait. L'homme ne croit pas ce qu'il voit. Bon, on l'a, on y a eu mis à la noire. Oui. Non, je suis chrétien, je suis baptisé, lui s'en fout de ça. Il a pris de nous, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il voit? Il est là. Il voit quoi? Il est là. Il voit rien, il ne croit pas ce qu'il dit. Oh, il... Parce que toi-même, tu ne vis pas là. Mais mon ami, il est bon. C'est pour ça que les Juifs disent. Les Juifs disent tous. Une année, tous, une année là-dessus. Les Juifs sont d'accord avec ça. On est bon. Il dit la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un homme. Quand Dieu n'est plus dans la vie d'un homme, il est mort. C'est ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez manger, vous allez être. C'est le parti qui recherche ça. Amen. Amen. Moi, vraiment, je pas. On m'appelle chaque jour, il est valide. Il est envoyé dans nos oreilles. Je demande plus à qu'on prie. Oui, mais vous voulez y aller, vous aimez. Un bon père, papa, soeur de son papa. Yo, son enfant. Yo, on va te lever. C'est comme ça, Dieu. Je lui ai dit, il est mon père. Il est tout. Ouais. Un bon père prend soin de ses enfants. Yo, c'est tout. On va te lever. Amen. Amen. Toi, tu es enfant de qui? Alors, yo, là. Et puis, qui va prendre soin de toi? C'est alors qu'il va dire. La question que vous te posez. Qui est ton papa? Allez, tu là. Moi, c'est le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui bénit, il a comment pour nous, il a comment pour nous. Vous savez pas ce que j'ai fait sur ma vie. Allez, j'ai détruit tous les démons de ma famille dans ma vie. Non. Il a fait tout à l'heure. Mais les amours. Parce que vous êtes dans Jésus, les démons de vos parents qui vous suivent encore. Parce que la première fois où tes parents faisaient ton c'est pas à Dieu. Ils ont fait ça à un démon. Ils ont fait ça à un démon. Et les démons avaient la pauvreté. Il y a les mains de pauvreté. J'ai détruit les hôtels dans ma vie. Les hôtels sataniques. Et j'ai dit désormais, je suis connecté au ciel. Et je suis du Dieu d'Israël. Disait la maman de mon cœur. Dieu dit quoi? La maman, il n'est pas différent entre toi qui le sais. En tant que je ne sais pas. Vous savez. Mais regarde, est-ce qu'il y a la différence? Malgré tout, vous savez. Toi, tu plais, à quoi plais? Mon oui, à toi oui. Qui va aller suivre l'un des filles? Toi, tu plais, qui est à quoi? Et oui, les plats. C'est un mec qui vient te consoler. Moi, il y a oui. Ça va, je ne pleure plus. Et vous, oui. Dieu même abandonné. Mais quoi, ma mère, mais tu ne connais pas. La bonne amen. Mais si tu ne connais pas, comment faire pour avoir? C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Mais si c'est une école, et on fait de vous des grands, des leaders. Alors, vous pouvez vous prendre en charge.
On ne fait pas des églisiens. Non, non, on fait des églisiens.